Salut à tous, aujourd'hui une recette que j'aime particulièrement faire à la maison parce que les enfants l'adorent. Ils me disent systématiquement, ça change, on va faire une polenta. Voilà, une polenta avec de l'agneau, avec du cheddar, des raisins secs. Vous allez voir, c'est très très rapide, très très facile et surtout c'est très très bon. Alors les ingrédients, pas grand chose, hein. J'ai de la semoule de maïs, donc de la polenta, des raisins secs qui sont en train de réhydrater, du cheddar, des épices, 500 ml de lait, 500 ml d'eau et de l'agneau haché, voilà. Donc demandez à votre boucher, il vous le fera tranquillement, hein. Agneau haché, 300 g. J'attaque donc avec la viande, je vais tout simplement prendre une poêle, un filet d'huile d'olive, je vais la faire revenir tranquillement. J'ajoute les épices, j'ajoute les raisins bien réhydratés, je laisse mijoter un petit peu le temps qu'elle soit cuite et c'est tout. Ça y est, ma viande est finie de cuire, donc je vais pouvoir passer à la polenta. Très facile, très rapide, hein, super simple. 500 ml de lait, 500 ml d'eau. Je vais faire chauffer et une fois que ça commence à bouillonner, je rajoute en pluie 200 g de polenta. On est sur un plat pour 4 personnes. Je mélange bien pendant quelques minutes et c'est cuit. Il n'y a plus qu'à rajouter la viande à l'intérieur, râper un bon morceau de cheddar, vous allez voir, ça va donner du goût et du crémeux. Et l'association semoule de maïs, agneau, avec les petits raisins et le cheddar, je peux vous garantir que c'est très très bon. Voilà, donc tout est terminé, vous avez vu, c'est hyper rapide, hyper simple. Pour le dressage, je vais utiliser un emporte-pièce, voilà, histoire de faire quelque chose de sexy quand même, avec quelques pousses d'épinards à côté. Ce sera un petit repas complet, qui a du goût, qui plaît aux enfants et qui est très rapide à faire. Si cette polenta d'agneau haché avec ses petits raisins secs, le cheddar, les épices, le sucré salé vous a plu, vous me le dites juste en dessous, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et les notifications donc pour être averti des prochaines vidéos. Prochaines vidéos qui arrivent en ce moment très très bientôt, il y en a un paquet. Ce qui fait que je cuisine beaucoup, alors comme moi, n'oubliez pas de cuisiner. Ciao.